mane Bambinda mane ya ta Bonjour chers compatriotes, bonjour les amoureux du Congo, c'est toujours votre humble serviteur Faymon Nama, le fils de la promesse, le soldat du peuple, le combattant de la diaspora, le vainqueur des défis, ma belle mam, Batia Tembe Basuka, Bango Tembe Bisonko, Libanga Oyo, Bango Babete la Libakunga Yoyo, jamais Kobanga. Oh chers compatriotes, excellent dimanche à vous, là où vous êtes, là où vous vous trouvez. Donc je vais vous dire excellent dimanche et nous allons écouter cette belle mélodie qui signifie tout simplement que nos ennemis, les ennemis du peuple se sont rassemblés. Ils veulent la tête de Fay, ils veulent la tête des Congolais, ils veulent la tête de nos équipes, des gens qui dénoncent le mal. Oh là 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 là. Voilà pourquoi la chanson dit Bambinda Mané. Donc, ils cherchent à comploter. Ils disent que non, on doit le poignarder. On doit mettre les étrangers parce qu'ils savent. Eux-mêmes comme ça là, venir chercher Fay, il faut bien manger, il faut bien se préparer. Voyez-vous? Venir seul ou deux personnes pour terrasser Fay, il faut bien se préparer. Donc, d'où ils ont cherché un peu des étrangers de gauche à droite pour avoir la tête de Fay, pour le poignarder, pour tirer sur Fay, pour tuer Fay parce qu'il est en train de déranger, il est en train de tout faire foirer. Voilà. Donc la chanson dit quoi? Bambinda Mané. Bambinda Mané, donc comment dire, je ne sais pas comment vous expliquer ça en français. Il y a des termes dans nos patois, quand tu l'expliques en français, ça se déforme même. Ça n'a même plus même de sens. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider ici. Alain Moussissi, bonjour. Excellent dimanche à toi. Si quelqu'un peut interpréter cette belle mélodie, cette partie qui dit Bambinda Mané, Bambinda Mané, ils se sont concentrés, ils se sont focalisés. Voilà même le mot, le terme. Ils se sont focalisés pour avoir la tête de Fay. Ils se sont focalisés pour tuer Fay. Ils se sont focalisés pour détruire notre équipe qui fait un travail formidable. Ils se sont focalisés. Ils ne dorment plus. Il se pose des questions, comment faire pour le faire taire? On l'a proposé de l'argent, il a refusé. On a agressé sa mère, il n'a jamais compris, il n'a jamais cédé. On a cherché à salir sa femme, on a cherché à intimider, à parler de sa femme pour qu'il lâche le combat, pour que ça mette la pression, mais il ne lâche pas. Il se focalise là à mettre des plans machiavéliques pour faire taire Fay. En sachant qu'en faisant taire Fay, en assassinant Fay ou en poignardant Fay, si Fay ne parle plus pendant un bon moment, c'est qu'il y a des équipes qui seront un peu déstabilisées. Parce que moi, je fais le pont de ce bas peuple. Je parle au nom du peuple congolais. Je suis leur porte-parole comme ce que fait Thierry Mongala. Donc quand je parle avec la visibilité que j'ai, que ce soit côté des autorités françaises aux autorités congolaises, bien qu'ils sont incompétents, ben j'arrive à transmettre le message du bas peuple. Donc ils se sont focalisés, ils disent comment faire. Ce petit-là, avec leurs équipes-là, ils font très mal. Ils font très mal. Écoutez un peu la chanson vite fait. Bambinda mané, tata, jembe bambu, tata. Bambinda mané,
Bambila maneta ta. Ce qui leur reste, c'est la haine dans leur cœur. Ce qui leur reste, la jalousie, la haine. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas être jaloux. Parce que c'est eux qui ont le Congo. C'est eux qui ont toutes les richesses du pays. C'est eux qui ont le pétrole. C'est eux qui ont des militaires. C'est eux qui ont des gendarmes. C'est eux qui ont des réseaux de la France-Afrique pour faire étouffer, pour faire changer les résultats même de ce qui est judiciaire. Ils ramènent le dossier, c'est-à-dire à un niveau que le dossier peut être influencé. Nous voyons des plaintes des gens ici, hein, qui ont brûlé la maison de Willy Toka, de Pierre Ngolo, qui est, je ne sais pas, le président du Sénat, c'est ça, non? Dites-moi un peu ici. Du Sénat. Hein? Mais ce sont les enfants qui ont travaillé pour Okemba Dominique. Et d'un côté, ils ont fait taire les enquêtes depuis quelle année? 2016-2017. Mais ces gens-là aujourd'hui, c'est des bébés noirs de Jean-Dominique Okemba. Ah, chers amis, chers compatriotes, ah, mon peuple. Ah, bah, Congolais, c'est... Pas chien, pas chien. Parce qu'ils savent, s'ils arrivent à atteindre faille, ça va toucher nombre de Congolais et ça va transmettre la peur aux Congolais. Ça va influencer que les Congolais, beaucoup auront peur. Et c'est ça qui est leur objectif. D'où ils se focalisent sur Faye. Parce qu'ils savent que derrière Faye, il y a des papas qui prient, il y a des mamans qui prient, il y a des jeunes qui donnent des informations, il y a des étudiants, il y a des retraités, il y a toute catégorie de la classe sociale du Congo-Brazzaville. Donc, permettez-moi juste de partager vite fait. Puis on va continuer. Bambinda Mané, je vous ai dit ici, je vous disais ici que l'affaire de l'ambassade, ça englobe beaucoup de choses et deux clans. Sur ces deux clans-là, vous voyez, même s'ils vont camoufler, même s'ils vont tout faire. Mais vous voyez aujourd'hui, tu veux ma tête, je détruis ton empire. Voilà. Et je vous avais dit ici, chers amis, chers compatriotes, les gens qui viendront attaquer Mboulou, ce sont des gens qui travaillent pour Okemba, qui se voient déjà Okemba président, qui se voient déjà Okemba le remplaçant de Denis Sassou Nguesso. Et j'aimerais réitérer ici et dire aux Congolais, aucun dictateur a lâché le pouvoir. Je dis bien, aucun dictateur au monde a eu à lâcher le pouvoir. Le dictateur, s'il n'est pas décédé, s'il n'est pas assassiné, s'il n'y a pas eu un coup d'État, un dictateur ne peut jamais laisser le pouvoir. Denis Sassou Nguesso ne lâchera jamais son pouvoir. Tant qu'il a la force, il ne lâchera jamais son pouvoir. Ok? Vous voyez l'exemple de Ali Bongo. Ali Bongo, il est dans l'incapacité. Bien que son état ne le permet pas vraiment. Il faut vraiment le repos pour Ali Bongo. Mais il s'accroche. Bouteflika aussi, on en a vu Bouteflika. Sur une chaise roulante. Il n'a jamais, je dis bien jamais, lâché le pouvoir. Nous avons vu Mobutu jusqu'à la dernière minute, à sa dernière énergie. Il croyait toujours se maintenir, il croyait toujours résister. Même quand il est malade, il a dit, bah, on m'a eu par derrière. Pourquoi?
Parce que peu importe de la position, de son état, il ne va jamais un dictateur lâcher le pouvoir. Donc, si aujourd'hui, Sassou venait peut-être de partir, de mourir, parce que c'est inhumain, c'est peut-être ce que le Kemba attend. Est-ce que même le poison, je vous avais parlé de deux officiers qu'on avait arrêtés. Fils Promesse, bonjour. Bonjour de Serge Bizarre. Bonjour, enfin, je t'appelle depuis ce matin. Tu ne décroches pas. J'ai une révélation qui te concerne. Appelle-moi inbox. Ah bon? Fils Promesse a eu une révélation sur moi. Tu m'appelais sur quel numéro? 42? Mon frère, désolé frère, regarde, même là, je vais aller louer l'Éternel, je vais aller dire merci au Dieu le Tout-Puissant, Nzambiam Ponkwatulendo, le Dieu de nos ancêtres, du bienfait qu'il fait dans nos vies. J'ai un problème vraiment. Quand tu vois que je décroche pas, mais j'ai pas vu ton appel, sincèrement, envoie-moi un message normal, frère. S'il te plaît, fils Promesse, j'aimerais bien écouter cette prophétie. Parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent. Il y a même ma petite soeur, Pinot de Paris. La petite soeur, quand elle est arrivée en France pour la première fois, elle m'a rêvé. Ben, j'ai dit, ah bon, donc, si les gens commencent à me rêver comme ça, c'est que c'est bien. C'est bien, c'est-à-dire, je suis dans la vérité. Et quand il y a le mal, quand ma femme ne rêve pas, moi, je ne rêve pas, Dieu ne me révèle pas, ou les ancêtres ne me révèlent pas, ils arrivent à révéler à ceux-là qui croient à notre combat. C'est bien, ça me fait plaisir. Merci mon frère. Donc écris-moi si tu es en France, par message, si tu es en France, envoie-moi un message normal. Dès que je finirai ma prière, je t'appellerai, nous parlerons de ça. Merci fils Promesse. Ah, le doigt innocent. D'accord, doigt innocent. Tu veux le faire en public ou ça reste inbox? Sauf pour toi que les gens aimeraient peut-être écouter cette prophétie, et peut-être les gens s'y vont nous mettre dans la prière. C'est quand même important, non, d'un innocent. Attends, je t'appelle ici. Si tu trouves que ça concerne vraiment, vraiment privé, on en parlera. Mais sinon, je t'appelle ici. Si tu penses que le peuple aussi, ceux-là qui nous suivent en prière, peuvent aussi écouter cette prophétie que Dieu t'a donnée, que nos aïeux sont venus te révéler, et que les autres aussi pourront nous mettre dans la prière, parce que ce combat que nous faisons, bien que je peux être devant, ou je suis ce porte-parole, mais il y a des équipes qui travaillent, le groupe La Vérité, il y a des associations politiques, il y a des associations, des ONG qui travaillent dans le sens de l'humanité. Donc il faudrait comprendre dans ce sens-là, et que nous aussi également, nous travaillons. Hein? Nous travaillons ensemble avec ces associations-là. Donc, doyen, je vais essayer de t'appeler là. Parce que je suis un peu en retard. Bon. Ben, innocent, je t'appelle tout de suite. Bambinda mané. Donc, je vous appelle, chers amis, chers compatriotes, de venir mardi. Donc, dans 3 jours, on est dimanche, lundi, mardi, dans 2 jours, au tribunal de Pontoise. Tribunal de Pontoise, vous prenez votre RER, vous pouvez le prendre à la gare du Nord, vous pouvez le prendre à Saint-Lazare. À la gare de Pontoise, vous en êtes au moins à 5 à 10 minutes à pied. Si vous prenez le bus, il y a un bus du tribunal de Pontoise jusqu'au de la gare de Pontoise jusqu'au tribunal de Pontoise, vous en êtes pour 4 minutes maximum. Bonjour Nina Nadej, bonjour Elvie Turf. On va appeler le frère qui a eu une révélation pour nous et puis on va continuer. Oui, innocent, tu n'es pas connecté sur WhatsApp. Attends, je t'appelle par le normal. Merci en tout cas. Merci pour votre soutien. Merci à tous ceux-là qui ont contribué dans des prières, dans des conseils. Merci à tous ceux-là qui ont contribué financièrement. Parce que comme on vous le dit, ce combat-là, il faut le dire, il faut l'avouer, c'est l'argent. C'est l'argent. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Allô? Ouais, oui. Bonjour, tu veux que je mette au haut-parleur, que les gens entendent ou pas? Ok, ben je mets le haut-parleur. Attends, je vais couper le moteur là, pour que les gens écoutent normal. Vas-y.
Premièrement, d'abord, bonjour. À Bonjour. toi d'abord, Faz, le résistant voyant, le combattant du haut niveau. J'ai eu à faire un rêve D'accord. la nuit du samedi au dimanche, donc en se réveillant aujourd'hui dimanche. D'accord. C'est-à-dire, le rêve était comment? Et depuis un moment, en fait, depuis que ton procès a commencé, bon, tu sais ce que nous avons eu à dire, à se parler. OK. Et j'ai pris quand même pour toi. J'ai pris pour toi, j'ai pris pour tout ce que tu veux. On a un groupe de prière, on prie, car en fait, pour que tu ailles de l'avant, quoi, concernant ton combat. D'accord. Notre combat qu'on décide là. D'accord. Tous en fait partie. Donc, du coup, ce soir, je te rêve qu'on était car en fait, c'est-à-dire, on était dans une entreprise, on est en train de travailler. D'accord. On était un peu nombreux, on est en train de travailler. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé un moment, je t'ai posé, je dis, ah, enfin, tu l'as, oui, moi, c'est un moment que je travaille ici, comme ça, mais je ne te vois pas. Et c'est en ce moment-là que tu me dis, tu m'annonces une nouvelle, que le doyen, en gros, j'ai eu le visa. D'accord. J'ai dit, bon, t'as eu ton visa, oui. En fait, on me rasait, on n'a même pas eu tombé dans la joie. On sait comment on me ah ouais, c'est fort, bon, bon, bon. Et je t'ai demandé, mais encore, t'as eu ton visa, mais tu vas dans quel pays? Tu m'as pas dit le pays, j'ai dit, non, ouais, je te dis pas. Mais tu as dit quelque chose là, en fait, qui m'a beaucoup interpellé. Tu as dit, cette affaire, je l'ai dit à toi et à une autre personne. Mais l'autre personne là, je pense qu'apparemment c'est un traître. Tu vas me trahir. D'accord. Et moi, je t'ai répondu, mais écoute, dans ce genre de choses, pareil, ce que je dois faire, quand tu le parles à une personne, ce n'est plus un secret. D'accord. Ce n'est plus un secret, tu fais maintenant une confidence. Et il reste à savoir la moralité de la personne à qui. Tu en as parlé, qu'est-ce qu'il pourrait faire si vous conservez ce que tu l'as dit, oui, pour obtenir aux autres. D'accord. Et toi, tu m'as dit, je te dis, Doréen, la personne, j'ai dit ça à toi et à une autre personne. Mais moi, quand je t'ai demandé, tu vas dans quel pays, tu as refusé de Jésus, je te dis, je te dirai pas, je te dirai à la veille. D'accord. À la veille. Et tu as eu l'intention, j'ai parlé à une autre personne, mais celle-là, je la trouve un peu bizarre, l'intrigue. Ils vont me trahir, c'est ce que tu as dit. D'accord. C'est ce que tu avais dit. Bon. Après, bon, moi j'ai essayé un peu de parler avec personne de du groupe pour qu'on essaie un peu de comment se dire tu as dit. Ils m'ont dit, bon, normalement le visa c'est l'élévation. D'accord. C'est ce qu'ils m'ont dit. D'accord. Il doit être élevé normalement ou il doit passer à quand il y a une étape supérieure où l'échelon va augmenter. D'accord. C'est un point de ce qu'ils ont fait de faire visiter, le faire. Et c'est là où ils m'ont dit, tu peux visiter là. D'accord. Tu as constaté ce matin, c'est insiste de t'appeler. D'accord. Pour que je t'en parle. D'accord. Donc, c'était juste ça ma révélation. Merci. Merci, doyen. Que... Continue à prier pour nous, continue à prier pour les équipes qui travaillent là-dessus, qui travaillent dans l'ombre. Continue à prier pour ceux-là aussi qui sont dans le PCT, qui nous donnent des informations, qui croient à notre combat, qui veulent le changement. Continue à prier pour tout le monde, grand frère. C'est ta meilleure manière de contribuer dans ce combat et c'est la plus noble. Okay, merci, doyen. Bon, c'est tout ce que j'avais à te dire. Merci beaucoup. Merci. Ok. Ok, on est ensemble. Bon, je vais démarrer. On va écouter un peu Poiti Miklès. Bonjour. Je suis confiant, tu sortiras de là en homme libre. Courage à toi. Merci Poiti. Le chevalier noir. Voilà mon ami, fallait que tu reprennes ton prénom là. C'est quoi, frangin? Le chevalier noir, parce que l'autre là-bas c'était compliqué. C'est vrai, tu es le petit-fils de Biayenda, les hommes bénis. Les gens qui sont nés dans des familles là où déjà Dieu avait mis la main. Donc tout ce que vous ferez, ça va marcher tant que vous allez rester dans la vérité, tant que vous allez rester dans cette lignée de sauver l'humanité, de sauver le peuple, de sauver les sans-voix. Mon ami chevalier noir. Merci Nina Nadej, tu sais quand même, Dieu est avec nous. Et en plus, nous sommes dans un pays de droit. On n'est pas au Congo. Voilà. On va écouter un peu et puis je continue. Bambinda maneta ta de
Bambinda mané, Bambinda mané, Bambinda mané, tata t'aimé. Bambinda mané, Bambinda mané, Bambinda mané, tata. Ce qui reste en eux, ce n'est que la haine. Ce qui reste en eux, l'esprit de vengeance. Ce qui reste en eux, ils doivent terminer avec Faye. Mais ils savent pas que Faye n'est que le passage, n'est que le pont de ce bas peuple et des autorités françaises, de l'opinion nationale et internationale qui nous suivent. Voilà, parce que dans nos directs, il y a beaucoup qui nous suivent. Hein. Vous imaginez, même nos frères qui sont des réfugiés au niveau de la RDC, mettent leur crédit pour venir écouter, pour venir suivre nos directs. C'est pour vous dire combien de fois c'est très touchant, chers amis. C'est très touchant de savoir cela. Donc, chers amis, chers compatriotes, ce qui les tue là-bas, c'est que parce qu'on a dévoilé, le mode opératoire de Jean-Dominique Okemba sur la place de Paris. Et je vous réitère encore. Il y a certains cabinets des avocats qui travaillent pour Okemba. Il y a certains médecins qui travaillent pour Okemba. Il y a certains, donc toute catégorie. Donc, il a mis un réseau. Et moi, ici, avec nos équipes, moi, je demande à Jean-Dominique Okemba de me porter plainte si j'ai diffamé sur l'affaire là où on menaçait sa propre fille à ces bandits voyous que lui, il entretient depuis belle lurette. Parce que l'audio de belle seconde date, je ne sais pas, de 2018 et 2017, en 2022, 2023. Et lui, c'est lui qui leur donne les passeports. C'est lui qui met à genoux un ambassadeur pour que ces voyous qui d'ailleurs ont été parmi ceux-là qui ont brûlé la maison de Pierre Ngolo. Moi, je dis ceci, que Ngolo entende ou pas, que William Toka entende ou pas, qu'ils acceptent ou pas, moi, je suis là un homme de la justice, un homme droit, un homme pour le peuple, un homme pour les sans-voix. Maintenant, au moins, ils savent qui est Okemba. S'ils veulent, ils n'ont qu'à Kiki ou Claudia n'ont qu'à accepter de mettre Okemba étant que celui-là qui va remplacer leur père. Nous, on continuera. La lutte continuera parce qu'on sait que Okemba est plus dangereux aussi. Est-ce que vous comprenez? Nous, le combat que nous faisons, ils le savent. C'est pas pour protéger un tel, laisser un tel. Nous, on n'a pas des amis dans leur régime là. On n'a pas des amis. Notre vrai souhait, c'est que ce soit Okemba, que ce soit Kiki, que ce soit Sassou, que ce soit Claudia, bah, qu'il y ait des gens qui n'ont exil, bah, Okemba. Bah, si, Kabi, et l'autre, il bosse, bah, Koko, ça là. Pour préserver au moins leur future génération, leurs enfants, leurs petits-enfants, c'est de laisser le pouvoir là. Et peut-être de demander la porte de sortie. Ça encore. C'est quoi comme conduite là? Et encore, de demander la porte de sortie. Là, on pourrait discuter. Parce que, Congolais, chers compatriotes, que les gens ne viennent pas vous dire, oui, on a des moyens pour enlever Sassou. Oui, on va chasser Sassou et ses enfants. Et les... C'est faux. Si quelqu'un vous dit ça, je vous dis c'est faux. Déjà, je vous montre, je vous... Quand on a des problèmes judiciaires, quand on demande les contributions pour payer les avocats, vous voyez comment on lutte ici pour totaliser de l'argent. Vous voyez comment c'est les mêmes personnes qui arrivent à donner 5, 10 euros. Donc si quelqu'un vous dit que non, dans ce combat-là, ils vont arriver d'enlever Sassou, Claudia, Kiki, Okemba, Dominique d'un coup, qu'ils ont une potion magique, c'est faux, chers amis. C'est faux. Donc, ce n'est que par le rapport de force que nous allons imposer qui permettra à l'opinion nationale et internationale. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait comprendre un truc. Et je vous répète toujours, la France d'hier, ce n'est plus la France d'aujourd'hui. La France-Afrique d'hier, que Sassou manipulait
Même les gens qui étaient dans le gouvernement de François Hollande, jusqu'à la dernière minute, là où ils ont dit il pouvait consulter son peuple. Ce n'est même pas le même gouvernement d'aujourd'hui. Je vous dis, le président Emmanuel Macron, peu importe de ce qu'on peut dire sur lui, ce garçon-là connaît la politique. Il sait comment faire mal. Nous avons vu son parcours. Je ne dis pas que non, c'est l'agneau des Africains. Non, non. Mais depuis qu'il est là, il a mis en désordre la France-Afrique. Donc ça fait ce que nous, de notre côté, ça a permis à ce que Solin, qui était dans la France-Afrique, les vrais piliers de Sassou, sont pratiquement mis à l'écart. Les gens comme le ministre des Affaires étrangères, comment il s'appelle, qui était parti là. Est-ce que vous voyez un peu? Donc aujourd'hui, chers amis, chers compatriotes, que personne vienne vous dire, oui, Faye, il dit ceci, c'est peut-être parce qu'il a un penchant vers Okemba, vers Nyangambwala, vers Claudia. C'est faux. Ce que je dis, c'est que nous devrions continuer à dénoncer, mais en masse. Nous devrions pas s'arrêter, on ne doit pas céder. Parce que c'est ça. Vous savez, chers amis, chers compatriotes, à chaque fois que Faye résiste contre l'argent, Donald résiste contre l'argent, Elie Moussampa résiste contre l'argent, Roland Nitou résiste contre l'argent, tous les vrais résistants du noyau dur résistent contre l'argent de la corruption de Brazzaville. On monte aux enchères, c'est-à-dire nos têtes encore, ils augmentent plus des stratégies, ils augmentent encore plus d'argent pour essayer de voir avec qui pour pouvoir corrompre Faye, pour pouvoir corrompre Elie. C'est-à-dire, on monte aux échelles, les échelons montent, chers amis. Est-ce que vous comprenez? Et encore, en faisant cela, en résistant, on arrive à faire passer notre message aux autorités françaises. Moi, je vais vous prendre un exemple. Moi, le jour que j'ai su que le pouvoir de Brazzaville a mis des sales dossiers sur moi comme un terroriste, pourquoi me mettre sur le fichier S? Sur ce fichier-là, au fait, tu seras contrôlé. Un mot, au fait, ça te protège en deux sens. Puisque moi, je ne suis pas un terroriste. Ça me protège dans le sens, partout là où je vais, les autorités compétentes de la France sont dans toute égalité. Parce que, en temps normal, pour que les autorités, que la justice, la police, lancent les enquêtes, mettent la géolocalisation sur ton téléphone, ou sur toi, il faudrait une permission judiciaire. Est-ce que vous comprenez? Et ce n'est pas donné à n'importe qui. Il ne peut pas faire ça à n'importe qui. Le dossier doit être solide. Et moi, une fois que le pouvoir de Brazzaville, au moment que les enfants de Dominique Okemba, les bébés noirs, ont foutu la merde, et je dis, je réitère ici, l'affaire d'ambassade que Denis Sassou Nguesso vérifie bien qui avait financé l'affaire de la dégradation de l'ambassade. Et vous allez voir, je parie même, il risquerait d'avoir la main de Okemba Dominique dedans. C'est moi qui vous le dis. Je dis à Sassou, je dis à Kiki, que vous en voulez ou pas, c'est une part de vérité. Et vous savez, dans le renseignement, on dit, toutes les informations doivent être gérées. On gère toutes les informations, rien on met à côté. Ce que je vous dis, vérifiez. Vérifier. Leur erreur, c'était que parce qu'ils sont venus me solliciter, moi étant qu'un patriote, je leur ai suivi. Mais où ils avaient pris l'argent, moi je n'étais pas là. Où ils étaient allés acheter des voitures pour faire la voiture, moi je n'étais pas. On m'appelle étant qu'un bon patriote. J'ai dit pourquoi pas si ça doit faire parler le Congo, si ça doit faire parler les prisonniers politiques. Est-ce que vous comprenez? Donc je rentre dans un esprit patriotisme. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, à la fin, ces gens avec qui on a fait l'action, ils se retrouvent avec Okemba Dominique. Alors, posons-nous des bonnes questions. Moi, je mets des points d'interrogation. Est-ce que c'est pas Jean-Dominique Okemba qui avait fomenté lui-même et financé l'affaire de l'ambassade?
C'est ça la question que Sassou doit se poser. Ok? Et dans cette affaire, plus que faille, intemperaire, je ne vais jamais faire descendre ma culotte pour donner mon cuit, comme disent les Ivoiriens, mon cuit chez des imbéciles comme ça. Désolé. On m'a dit que non, on m'a dit faille. Nous, on a su ça même au tribunal. Que eux, ils avaient écrit. Et le pouvoir de Brazzaville avait envoyé une personne, un émissaire, parce qu'ils ont demandé des excuses. Les gens avec qui on a fait l'action. Alors, Sassou, les Kiki, les Claudia, posez-vous des bonnes questions. Pourquoi ils cherchaient que la terre de faille? Et ils ont voulu mettre tout ça là sur la terre de faille, au moment qu'eux, ils avaient bouffé de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Mais puisque je suis dans la vérité, et en posant les questions à nos sages, je leur ai dit, ce ne serait pas favorable que, préférable que j'utilise ce fichier S qu'on a mis sur moi pour faire passer le message des Congolais, du bas peuple. On a essayé de réfléchir avec les doyens, avec les sages. On a dit, mais c'est vrai, enfin, il faut aller dans ce sens-là. On a mis encore plus des équipes, on a élargi des équipes et chacun son travail. Qu'est-ce qu'on fait? Quand les gens d'ici, ils entendent qu'il y a eu un truc, la première personne allait arrêter ses failles parce qu'ils se disent que faille est dedans. Quand on vient de m'arrêter, moi je dis, moi je n'étais pas là. Voilà, telle date, tel jour j'étais là. Ils vérifient, j'étais pas là-bas. C'est vrai. Mais faille, qu'est-ce que tu en penses de ça? Ce que je pense de ça, je donne mon avis. Ça. Ils font remonter l'information. Au fur du temps, depuis 2016, on m'a donné l'interdiction de quitter le territoire. La justice a fait son travail, ils ont vérifié, ils ont vu, ils ont dit non. L'enfant là n'est pour rien. L'enfant là n'est pour rien. Eux-mêmes, ils ont enlevé l'interdiction de quitter le territoire. Eux-mêmes, ils ont enlevé l'interdiction, comment on appelle, d'aller signer chaque semaine. Eux-mêmes.